baktığı bu şarj ürünlerin baktığı kesinlikle. Ben orada, onları senaryo kullanmam var. Onu ben size senaryo, sizden senaryo, meskereydi, fereye. Şimdi bak imajinler. Eskiye ekliği lazım, var mı? Eskisi pasir. A l'époque, on a choisi. On peut changer de compagne pour le moment avec deux compagnes. La compagne de Massinissa et la compagne de Dipina. Pardon, c'est la compagne de Massinissa. Alors voilà ça, chaque compagne comporte 5 livres. 5 livres. Donc on a le premier label indiqué par le petit doigt ici. On lance. Donc voilà, ça c'est la carte du premier niveau. On a la possibilité de créer 3 tours avec l'argent qu'on possède pour le moment. Et on doit garder ce nombre de vies qui est 10, on doit le garder supérieur ou égal à 1. Donc on ne doit pas perdre. Non, on commence par créer. On a la possibilité de créer une tour de fantassin ou une tour lance-flèche. Voilà. Voilà, la tour de fantassin, elle me permet de créer des unités. Quand on clique sur l'unité, on a le nombre de points de vie et le point d'attaque et le point de défense. Donc, on lance la vague ennemie. On peut bien sûr déplacer des unités pour gérer l'emplacement et contrer les ennemis. Donc voilà, l'objectif du jeu, c'est de contrer tous les vagues ennemies qui essayent d'atteindre votre base sans perdre. Oh. Bon, plus on tue d'ennemis, plus on a des points d'or. Et plus on a des points d'or, on a la possibilité d'améliorer les bâtiments pour avoir de meilleurs combattants et plus d'unités. On remarque que les vagues d'ennemis sont encore plus nombreuses. Donc voilà, là j'ai 140 unités, donc je peux upgrader ma tour. Et là, l'unité a pris une autre armure et la tour construit deux unités pour le moment. Donc voilà, on peut faire pause. Soit on peut faire le résumé pour refaire la partie, sinon on peut quitter. Donc si on termine une partie, on peut venir dans une sorte de shop pour acheter, pour améliorer nos bâtiments avec les points d'or qu'on a gagnés. Donc on peut améliorer le temps de construction, on peut diminuer le prix d'achat des bâtiments, augmenter la zone d'accès du bâtiment pour ajouter des unités. Là, c'est des bâtiments bloqués que le joueur pourra débloquer ou acheter. Ça dépend de la campagne. Donc, voilà pour la campagne. On a aussi la campagne de Dina. Donc, c'est la même unité, c'est la même map. Voilà. Donc, chaque map utilise le thème de la campagne ou du terrain sur lequel elle a été inspirée. Donc, voilà, c'est le même principe. Bon. Le jeu, il est disponible sur PC et aussi, je vous invite à le tester sur Windows Phone. Et surtout, il est éducatif, donc il apporte des notions
d'histoire de façon transparente dans le, de, dans le jeu. Alors, il est aussi bien orienté mobile et tablette. Donc, c'est un jeu qui est bien utilisable et surtout qui peut avoir un plein potentiel sur ses devices. Voilà. Donc, le jeu, il a été créé il y a un moment. Il a eu des impacts médiatiques. Donc, on a Antique Web Magazine qui a publié un article sur le jeu en décrivant le jeu dans son magazine. On a aussi le journal Al-Najah qui avait écrit un article sur le projet. Alors, voilà. Le jeu, ce jeu-là, il est disponible sur le Windows Store. Vous pouvez le télécharger pour Windows Phone. Il est actuellement en développement sur iOS, Android, Windows Phone 8.1 en utilisant Xamarin. Donc, on possède une licence Xamarin. Et le jeu actuellement, grâce à Xamarin et Monogame, il est en train d'être porté sur iOS. Donc, pour le business model, le jeu il va être gratuit. Il va inclure des in-app purchase. Donc, on peut acheter des campagnes ou on peut acheter des bâtiments. C'est au choix